si aujourd'hui on se faisait un top des jeux qui arrivent sur téléphone. Bonjour à tous, moi c'est Psy, et aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo top. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais tout d'abord les petits potes, avant que le top commence, n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos top, ou bien même les autres vidéos, tout simplement. Et bien sûr, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, parce que ça m'aide à un meilleur référencement. Let's go! Et si on commençait ce top avec Noah Earth, le tout nouveau jeu d'aventure dans un open world. Bienvenue explorateurs et exploratrices, immergez-vous dans cet immense monde ouvert, une planète pleine de merveilles et d'aventures. Planète Noah offre une opportunité fantastique aux explorateurs de la socialiser. C'est là que vous entrez dans le métaverse d'un monde différent. Que vous soyez partagé entre la joie de l'explorer ou bien même de battre côte à côte avec des membres de votre guilde, il y aura toujours une place pour vous joindre aux autres. Écrivons ensemble une histoire d'aventure. Ce qui est fou dans ce jeu, ça va être la personnalisation complète du personnage. Ça passera par les yeux, jusqu'à la bouche, jusqu'au nez, la forme du visage, la couleur du visage. Bref, la personnalisation jusqu'aux petits détails de votre personnage qui est vraiment intéressant. Également, on parle d'un monde ouvert, donc c'est-à-dire que vous allez être libre de vos mouvements. Si vous voulez farm, vous pourrez farm. Si vous voulez aller vous battre, vous pourrez aller vous battre. Et également, ce qui va être intéressant dans ce jeu, ça va être la simulation un peu de la vie réelle. Car dans ce jeu, ils vont nous proposer de pouvoir incarner notre personnage. Et on va pouvoir revendre des ressources à un autre joueur qui, lui, va peut-être fabriquer d'autres ressources qu'il va pouvoir vendre encore à d'autres joueurs. Donc derrière, il y a toute une économie qui va pouvoir se construire sur ce jeu. Ce jeu est clairement un open world à ne pas rater. Je t'invite à te préinscrire car il est actuellement en préinscription. Harry Potter, la magie émerge. Le tout nouveau jeu dans l'univers Harry Potter va débarquer sur nos téléphones. Tout comme le Legacy sur console, ce jeu va faire un carton. Dans le dernier jeu, Harry Potter, testez vos compétences en magie dans l'incroyable face-à-face multijoueur contre d'autres sorciers et sorcières. Découvrez une nouvelle histoire à Poudlard et explorez le monde des sorciers. Jouez avec vos amis et tracez votre route pour maîtriser la magie. Ce qui est cool dans cette nouvelle opus d'Harry Potter, c'est toutes les fonctionnalités qui vont être disponibles. Tout d'abord, on va commencer par la plus concrète, c'est le joueur contre joueur. Ça, c'est énormément attendu et ça sera le cas dans ce jeu. Il y a plus de 80 cartes à maîtriser, que ça soit de la sorcellerie, que ça soit des animaux fantastiques et bien plus. Il y a également une toute nouvelle histoire d'Harry Potter 10 ans après la défaite de Voldemort dans la bataille de Poudlard. Rejoignez une nouvelle génération de sorciers, retrouvez vos personnages Hagrid, Harry, Hermione et rencontrez-en d'autres. Résolvez les mystères de Poudlard et même au-delà. Ce que j'apprécie dans cet opus, c'est qu'on va pouvoir personnaliser son personnage et ça c'est cool, on n'est pas obligé de prendre un personnage et de faire son histoire. Rejoignez des milliers de joueurs en ligne pour voir l'école et ses alentours. Décorez votre dortoir. Assistez à des cours ensemble où vous affronterez dans des duels et des défis coopératifs. Également, le jeu n'est pas centré uniquement sur Harry Potter, il va être également concentré sur l'univers de Poudlard en lui-même. Affrontez des sorciers en ligne dans des combats multijoueurs de 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Et tout ça, bien sûr, dans la salle du duel. En plaçant votre avatar et en choisissant vos cartes intelligemment, vous pourrez favoriser la synergie d'équipe et encore plus, renverser le match. Il dit Poudlard, dit forêt interdite et vous allez pouvoir y rentrer avec vos amis ou bien même en solo à vos risques et périls. Bon, bien sûr, qu'est-ce qu'Harry Potter sans la coupe des 4 maisons? Devenez l'un des meilleurs joueurs, affrontez d'autres champions pour monter au classement et améliorer votre maison à la gloire. Bon, qui dit coupe des 4 maisons dit aussi Quidditch. Accélérez et performez vos compétences dans le sport des sorciers et sorciers. Vous pourrez vous battre contre des joueurs dans le Quidditch. Prenez votre balai, volez autour de Poudlard et assistez au spectacle de tous les soirs. Quel show pour couronner une journée de dur labeur. Harry Potter, la magie émerge, bat les autres jeux de cartes à collectionner. Jouez seul ou avec vos amis, profitez des matchs en joueur contre joueur ou bien d'actions en mode coopératif. Collectionnez des objets, personnalisez votre avatar ou bien même profitez de la fonction RPG. Le monde des sorciers offre plein d'activités auxquelles vous pourrez participer et une aventure unique. Je sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle opus, mais moi, c'est un gros coup de cœur. Avez-vous déjà rêvé au moins une fois de partir dans l'espace et d'être tout seul par exemple sur Mars ou d'être avec une personne? Et le genre de délire un peu galactique qu'on a tous déjà eu. Aujourd'hui, ça va pouvoir se réaliser avec Terra Genesis Landfall, le tout nouveau jeu d'aventure qui se passe dans l'espace de survie. Vivez le prochain grand pas pour l'humanité avec Terra Genesis Landfall. Donnez vie à une autre méthode et un autre monde et construisez les premières colonies humaines sur Mars
Vénus et bien même la Lune. Recruter des colons, former et améliorer leurs compétences, construisez des infrastructures ou bien même gérer les ressources et assurez-vous que vos habitants sont heureux et en bonne santé. Donnez vie à un monde nouveau. Créez et entretenez les constructions que vous avez faites de votre nouvelle société dans l'espace. Et alors, ou bien même ouvrez la voie à un nouvel avenir pour l'humanité. Commencez par une simple empreinte de semelle sur la Terre et faites évoluer votre nouveau monde vers une ville prospère de plusieurs milliers d'habitants. Bien sûr, vu que c'est dans l'espace, il va falloir gérer vos ressources et donc, au fur et à mesure, votre ville va se développer. Vous devrez trouver un équilibre entre la production et les ressources et les besoins que votre population demande en grandissant. Surveillez de très près les ressources de votre ville comme l'oxygène, l'eau, la nourriture pour vous assurer que les citoyens sont en bonne santé et que votre ville peut continuer à prospérer. Ce jeu n'est pas uniquement un jeu de farm et un jeu de développement. Dans ce jeu, il y aura également des événements et dans ces événements, l'espace est imprévisible et rien ne reste longtemps à l'abri. Dysfonctionnement, incendie, visite de célébrités et découvertes scientifiques, vous devrez être prêt à adapter votre stratégie pour que tout se passe comme... comme quelque chose qui se passe très bien. Personnellement, en termes de gameplay, ce jeu m'intéresse car c'est vrai qu'il va se différencier de deux jeux de bulles de fabrication de villes, car cette fois-ci c'est dans un contexte spatial et c'est vrai qu'il y a tout plein de nouveautés qui seraient peut-être à prendre en compte et donc à voir ce que ça donne après sur le plan gameplay. Et pour finir ce top, quoi de mieux qu'un jeu qui va sortir tout récemment? Il a été annoncé pour le 23 juin, c'est Disney Mirrorverse. Ce jeu est dans l'univers Disney et Pixar et vous allez pouvoir utiliser vos personnages préférés pour affronter des joueurs. Disney Mirrorverse, les joueurs découvrent un tout nouvel univers divergent, bien différent de celui des films de Disney et Pixar originaux. Dans ce monde dangereux, la magie noire et blanche transforme le monde et fait évoluer les personnages Disney et Pixar iconiques en gardiens de Mirrorverse, prêts à combattre et briser une force malveillante qui menace de détruire les deux réalités. Avec des personnages et un environnement en 3D époustouflant, les joueurs formeront une équipe de puissants gardiens contrôlés en temps réel grâce à un gameplay axé sur l'action. En progressant dans le jeu, le nombre de gardiens que les joueurs posséderont augmentera et ils auront formé une équipe de 3 personnages prêts à rejoindre le combat. Chaque personnage dispose de compétences uniques avec, par exemple, un Sully blindé, le compagnon de combat personnel ultime de Baymax, la redoutable mage maléfique et de nombreux autres gardiens qui sont prêts à défendre le Mirrorverse contre ceux qui essayent de les conquérir. Contrôlez une équipe de gardiens et vivez des combats palpitants en temps réel, contrôlés sur l'action, ou bien même, vous pouvez combattre avec le combat auto si vous souhaitez que ça soit votre téléphone qui joue à votre place. Mais personnellement, je suis pas trop fan de ça. Bien sûr, qui dit univers Disney dit un mode histoire. Plongez dans une toute nouvelle histoire de Disney aux multiples missions et quêtes, le tout basé sur l'histoire de Mirrorverse et l'âge de l'isolation. À un intervalle régulier, de nouveaux chapitres seront ajoutés à la quête de l'histoire principale et aux histoires secondaires, avec des héros et des méchants inédits. Les joueurs peuvent participer à des quêtes à durée limitée liées aux nouveaux contenus et des événements Disney et Pixar avec la clé des nouveaux personnages exclusifs. Des récompenses et des items pendant une période à durée très limitée quoi. Rejoignez une alliance et collaborez pour terminer chaque étape de l'événement pour gagner de belles récompenses en fonction de votre classement final. Les joueurs affronteront d'autres joueurs et alliances du monde entier dans un univers de donjons et gagner des items de d'autres récompenses uniques. Les joueurs affronteront d'autres joueurs et alliances du monde entier dans divers donjons afin de gagner des items et d'autres récompenses. L'expérience de Disney Mirrorverse est une évolution constante et l'univers continuera de s'agrandir avec l'ajout de nouveaux personnages, Disney et Pixar, de chapitres, de quêtes et d'événements encore plus hauts, encore plus forts. Enfin voilà les petits potes, j'espère que ce top vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir de nouveaux jeux qui arrivent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres jeux que vous souhaitez que je présente en vidéo. Vous inquiétez pas, j'ai une liste un peu longue comme mon bras de jeux à vous présenter. Donc ça, je suis pas inquiet. Et bien sûr, n'hésitez pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Moi sur ce, je bois un peu d'eau parce que je trouve que j'ai bien parlé. Et je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. C'était Psytrag. Bye bye.